Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis. Et oui, encore. J'ai eu l'agréable surprise en remontant somme tout à l'heure de découvrir dans ma boîte aux lettres un énorme colis qui nous vient de Marie-Louise qui habite dans le 34. Alors, il me semble que c'est dans l'Hérault. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je me suis dit on va l'ouvrir ensemble. Alors je vais peut-être vous baisser un petit peu. Hop, voilà, comme ça on va l'ouvrir. Alors je ne sais pas par où elle a tout bien emballé ça. Je vais faire un petit peu de bruit. Je vais peut-être faire pause et puis je vous reprends dès que j'ai enlevé le papier. Donc voilà, j'ai enlevé le papier. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en plus j'ai un cutter qui ne coupe plus. Alors, comme ça. Alors, elle a mis de la bulle. Voilà. Ça se présente comme ceci. Alors, je vois. Une petite carte. Alors, voilà. Donc, il y a deux paquets comme ceci et elle m'a mis ici pour Sylvie. Alors, je vais regarder. Hop, je vais baisser un petit peu comme ça vous allez voir en même temps que moi. Alors, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ce qu'elle m'a fait. Alors, je vous montre. Oh, avec tous les... Oh là là, qu'est-ce que c'est trop beau. Ah, je vais l'encadrer. Ça. Alors ça, franchement, merci. Alors, elle me met. Donc, vous voyez ici, elle a mis les lettres. Alors, elle a mis Sylvie, la passionnée. Sylvie, la passionnée. Et à chaque fois, elle a écrit une phrase. Alors, Somme veille fièrement sur le royaume des diamants. Youpi, les crayons de toutes les couleurs s'animent. Libérés par les mains créatives d'une artiste de talent. Virevoltant en arabesque, le dessin se colore sublime. Incroyable palette de nuances se dépose sur la page nue et que d'émotions chatoyantes pour conjuguer la grisaille. Le point d'interrogation pimente la curiosité bienvenue. Au jeu des ronds ou des carrés, le mystère reste entier. Aïe. Pas à pas, le puzzle se joue en infime joyau anti-stress. Avalanche symbolique, le stylet les dévore pour l'éternité. Star, le strass se décline en version multicolore palmarès. Sous les doigts experts, la diction tisse son apogée. Invitation à partager un moment détente, j'aime tes vidéos. Ode de tuto créatif, je me régale de tant de nouveautés. Nourrissant ma faim de découverte d'autres loisirs géniaux. Nul doute que tu vas peindre 2021 en univers colorisé et qu'une récolte d'amour s'ouvrira sur des partages d'amitié en veillant ensemble, la plus grande passion d'âme créativité. Oh là là, que c'est beau. Elle a pris des images. Alors là, ça me touche énormément. Je vais l'encadrer, le mettre derrière, là-bas. Regardez. Ce qu'elle a fait, elle a pris une photo de Somme et de moi. Je suis vraiment super touchée. Merci beaucoup, Marie-Louise. Oh là là, franchement, je suis super touchée. Merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour faire ça. C'est franchement, c'est trop trop beau quoi. Elle m'a envoyé une jolie carte de bonne année. Voilà. Alors, elle me met de mes attentions, mais cela ne doit pas l'être.
Je le fais uniquement avec mon cœur. Je te remercie de ton travail, de tes vidéos, de tes partages qui sont un peu de bonheur, un moment de paix et de sérénité. Nouvelle abonnée, j'ai découvert ta chaîne qui m'a branché immédiatement. Je t'ai envoyé plusieurs mails à part où tu me faisais part que certains atterrissaient dans les... Oui, ça c'est vrai, j'ai souvent des mails qui vont dans les spams et je ne regarde pas les spams. Mais j'ai fini par trouver ton adresse et je t'ai fait un petit hérisson pour tes cartes de visite. Anna, c'est de mon cru. Je sais que ta passion se fait chouette. J'espère que mon passe-tête te plaira. En effet, j'aime écrire, composer, dessiner, créer le DP m'a conquis depuis 4 ans. Je découvre avec tes vidéos des nouveautés comme les diamants spéciaux, les lampes, les marque-pages et j'en passe. C'est plein d'astuces, de tests à la clé. J'ai pris beaucoup de plaisir pour chacune de mes créations. À 65 ans, oh là là, j'ai besoin de cela pour pallier à la solitude. Maintenant, alors je lis mon petit nom et je reviens après. Alors beaucoup, merci beaucoup Marie-Louise. Alors moi aussi bien évidemment, je te souhaite le meilleur pour 2021, surtout une bonne santé et comme tu dis, beaucoup de sourires sans masque. C'est le truc qu'on souhaite hein, le plus. Je t'envoie plein d'ondes positives aussi. Merci beaucoup Marie-Louise. Alors on va ouvrir les deux petits paquets. Je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre ça sur le côté. Alors je vais déjà ouvrir celui-là. Oh là là, franchement, quand on s'attend pas à recevoir, parce qu'elle ne m'avait pas prévenu qu'elle m'enverrait un colis. Je suis toujours super gênée, vous savez. Oh, voilà. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là, mais quelle patience, mais quelle patience. Oh, regardez comme c'est joli. C'est en forme de crayon. Oh, oh là là, mais quelle patience. C'est magnifique, Marie-Louise. Magnifique. C'est trop, trop beau. Oh, en fait, c'est un livre, vous voyez, qu'elle a ouvert, elle a découpé. Elle a dû plier les pages. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Mais quelle patience il faut pour faire ça. C'est magnifique. Magnifique. Très, très, très joli. Bah écoute, je vais le mettre derrière là-bas sur mon petit meuble. Merci infiniment, Marie. C'est vraiment très, très joli. Vous voyez, elle a mis plein de petites choses comme ça, des petits boutons. Ici, elle a glissé des petites oreilles comme pour faire une petite souris. Vous voyez? Et en fait, on dirait aussi une pointe de crayon. Vous voyez? Oh, c'est vraiment trop, trop beau. Je vais mettre ça sur le côté comme ça. Je vais me décaler un petit peu. Et puis ici, alors je ne sais plus ce qu'elle m'a mis dans la lettre. Oh, vraiment très, très joli. Ah oui, on a dit qu'elle avait fait un pastel. Voilà. J'ai bien emballé ça, ma petite. Waouh, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, elle m'a fait un cadre, regardez comme c'est beau. Oh, magnifique. Alors ça, c'est une chouette parce qu'il n'a pas d'oreilles. Le hibou a des oreilles, la chouette n'a pas d'oreilles. Oh, magnifique. Oh là là, merci beaucoup Marie-Louise. Oh, c'est magnifique. Ah, alors attends, parce que là, hop, ça c'est des faits. Je connais ces quatre puisque j'en vends au magasin où je travaille. Oh, magnifique. Bah, écoute Marie-Louise, je vais t'envoyer un petit mail. C'est du pastel ça. Ouais. J'ai mon papa qui fait énormément de tableaux. Depuis très 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 longtemps, il a un atelier chez lui où il fait beaucoup de tableaux, il fait du pastel, de l'huile, tout, 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 tout. Il a plein 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 de tableaux. Ça effectivement c'est du pastel et c'est magnifique.
Alors, je le mettrai derrière, pareil, sur mon mur. Voilà. Je te remercie beaucoup, Marie-Louise. Je te remercie encore pour ces jolies créations. Bien sûr, je vais poster tout ça sur mon Instagram et sur mon Facebook, si tu m'y autorises. Je vais t'envoyer un petit mail. Je vais t'envoyer un petit mail. Et puis, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très joli colis. Ça, c'est pareil. Ça me touche énormément. Donc, pareil, je vais l'encadrer comme ça. Je vais le mettre en cadre. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, un grand, grand, grand merci, Marie-Louise. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Je te souhaite également une bonne année. Merci aux personnes qui auront regardé cette vidéo, qui auront aussi apprécié les créations de Marie-Louise. Merci pour elle. Merci pour tous vos retours en commentaire. Ça me touche énormément. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, les filles. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!